Comment ça, vous voulez une augmentation? On en a parfaitement le droit, vu que tu vas parler de Kingdom Hearts. Et on veut une augmentation de 20. 5. 15. 10 centimes accompagnés d'un cœur d'un film pourri. Et je vous offre un point à développer, dans ce sujet de vidéo. D'accord? Vendu! Ah! Allez au boulot! Je vais en profiter pour appeler Bibi. Je t'avais dit qu'il fallait pas le lâcher. On l'a enfin eu, notre augmentation. Oui. Mais t'aurais dû préciser qu'on voulait surtout des euros, pas des centimes d'euros. Explique-moi la différence alors, Einstein. Oui, oui, voilà, j'arrive au boulot, 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 boulot. Oh, je le déteste. Moi, c'est toi que je déteste. Eh ben moi, j'aime tout le monde. Je ne remercierai jamais assez Meiko pour ce magnifique dessin. Si vous le voulez en t-shirt, allez sur la boutique des successeurs de Disney. Mais bon, comme vous avez pu le deviner grâce à l'intro et à ce super dessin après le générique, nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, façon de parler, à savoir Kingdom Hearts. Non. Si. Oh. Et comme pour la dernière fois, ça sera une vidéo en plusieurs parties. Non. Si. Oh. Et comme pour la dernière fois, avec un crossover d'un autre youtubeur. Non. Ta gueule. Ah. Et vous allez être content parce que c'est un autre membre de la chaîne. Souhaitons tous la bienvenue à Prince. Salut Prince. Et coucou. Heureux de faire une vidéo avec moi sur Kingdom Hearts. Et comment? Ça fait depuis le début de la chaîne que j'ai envie d'en parler. Alors c'est parti. Ah, Kingdom Hearts. Pour beaucoup, une des meilleures licences qui existent dans le domaine des jeux vidéo. Une fabuleuse aventure qui a débuté en 2002, en nous propulsant au fur et à mesure des jeux dans différents mondes de Disney, dans la grosse majorité d'entre eux, mais également en faisant côtoyer les personnages inédits de la licence avec ceux de Disney et de Final Fantasy. Ah, je me rappelle comme j'étais surpris quand j'ai découvert la jaquette du jeu, étant à l'époque un nouveau fan des Final Fantasy. Kingdom Hearts 3, et oui je dis Hearts, sort en 2019, après une des plus longues attentes dans le monde du jeu vidéo. Nous allons vous faire un résumé de l'histoire avant de nous pencher sur les personnages. On fait cela dans le but de faire comprendre à des fans certains éléments qu'ils ont du mal à assimiler, mais également dans un autre but pour les néophytes qui ont envie de faire Kingdom Hearts 3, mais qui n'ont pas le courage de faire les opus qui l'ont précédé pour comprendre l'histoire. Merci d'être réceptif au fait que nous avons dû énormément condenser cette vidéo. L'univers de Kingdom Hearts étant extrêmement riche et extrêmement complexe, nous pouvons aussi avoir une interprétation différente de la vôtre. Créée par Tetsuya Nomura, l'histoire de cette fabuleuse épopée commença son histoire en 2002 avec la sortie du tout premier jeu de la licence, Kingdom Hearts. Le Kingdom Hearts 1 aurait pu se suffire à lui-même, ne laissant pas réellement d'intrigue en cours. Le premier volet de la saga tourne autour de trois enfants, Sora, Riku et Kairi, rêvant de visiter d'autres mondes que le leur. Mais lors d'un soir, une tempête surnaturelle engloutira leur île dans les ténèbres. Pendant cet horrible événement, apparaîtra la Keyblade dans les mains de Sora, une mystérieuse épée en forme de clé qui confère à son porteur d'incroyables pouvoirs. Sora se retrouve malgré lui transporté dans une aventure où débutera son destin de porteur de Keyblade. Il y rencontre au début de son parcours deux personnages iconiques de Disney qui se joindront à lui, Donald et Dingo, des serviteurs du roi Mickey qui sont partis à sa recherche. Au cours de leur périple, ce trio si particulier affrontera de mystérieux ennemis connus sous le nom de Sans-Cœur. Ah, c'est nous. Dont leur but est d'engloutir les différents mondes dans les ténèbres que nos héros parcourront.
Oui, enfin ça, c'est un résumé assez brouillon. Si on s'intéresse un peu plus sur le sujet en détail, on verrait que c'est largement différent. Chaque chose en son temps. Laissez-nous d'abord terminer de raconter l'histoire, sinon on va pas s'en sortir. Sora apprendra au cours de son aventure que son rôle est de protéger les mondes de la menace des sans-cœurs. Durant son parcours, il y retrouvera son ami Riku. Mais ce dernier s'est allié à la sorcière maléfique, qui envisage de contrôler les sans-cœurs grâce au pouvoir des 7 princesses de cœur. Après de nombreux affrontements contre l'alliance de maléfiques sur différents mondes, Sora, Donald et Dingo parvinrent à vaincre la sorcière obscure, mais mettront à jour une terrible vérité. Le véritable responsable de ces sombres événements était un certain Ansem, un scientifique qui a mené des recherches sur le mystère du cœur, et qui serait à l'origine de la création des sans-cœurs. Son but est d'atteindre et de s'emparer du pouvoir de Kingdom Hearts, un lieu où réside le cœur de tous les mondes. Après un premier affrontement contre le chercheur des ténèbres ayant pris possession du corps de Riku, Sora découvrit également que Kairi était enfermée dans le cœur du jeune garçon. Il réussit à la libérer en plantant la Keyblade de Riku dans son propre cœur, mais ce processus finit par le transformer en sans-cœur. Ce n'est que grâce à la lumière de Kairi que Sora retrouva son apparence normale et repartit affronter une fois de plus Ansem qu'il finit par vaincre. Mais cet affrontement a fait ouvrir la porte menant au royaume des ténèbres de Kingdom Hearts. C'est grâce à l'aide du roi Mickey et Riku qu'ils ont pu refermer la porte à temps, mais en contrepartie, Mickey et Riku se retrouvent piégés dans le royaume des ténèbres. Et le petit malin de roi qu'on cherche absolument partout, qu'on ne voit pas une seule fois dans tout le jeu, eh bien son unique apparition à la toute fin du jeu est, comment dire... Maintenant, Sora, fermons cette porte une bonne fois pour toutes. Après avoir été séparé de Kairi, Sora repartit à l'aventure en compagnie de Donald et Dingo, décidant de ne pas rentrer chez lui tant qu'il n'aurait pas retrouvé Riku et Mickey. La suite de cette aventure a pu continuer en 2004 avec la sortie de Kingdom Hearts Chain of Memories. Ce jeu n'est pas obligatoire pour la compréhension du deuxième Kingdom Hearts, il en fait juste le lien, mais j'y reviendrai. Et c'est bien à partir de ce jeu que le scénario de Kingdom Hearts a commencé à devenir de plus en plus complexe et riche, ce qui n'a pas aidé une partie des fans à être leur jeu préféré. Sans compter que le gameplay change totalement, forçant Sora et donc le joueur à se battre avec des cartes. Donc, nos trois amis continuent sur le chemin sur lequel on les avait laissés à la fin du jeu précédent, et ils arrivent devant un château vraiment étrange. Le manoir Oblivion. En s'aventurant à l'intérieur, ils se découvrent de nouveaux ennemis, une partie d'une mystérieuse organisation. Ils les piégèrent facilement en leur faisant croire que leurs amis étaient prisonniers à l'intérieur. Il leur confia aussi que le manoir s'est donné. Mais pour ça, il faut savoir perdre. Grâce à des cartes créées avec les souvenirs de Sora, ils retournèrent dans les mondes visités dans Kingdom Hearts 1, ce qui lui permettra de progresser dans le manoir. Mais ils se rendirent vite compte que plus ils avancent dans le manoir, plus leurs souvenirs s'effacent. Ils oublièrent les amis rencontrés, les mondes visités, et Sora se rappela petit à petit d'une fille. Puis il se souvient d'une promesse qu'il lui avait faite, celle de la protéger. You see, the bad guys are holding her captive, somewhere deep inside the castle. And you obviously are the hero, so you have to go save her. Sora, ayant affronté et vaincu une partie de l'organisation et leur chef Marluxia, apprit que la jeune fille en question n'était autre que Namine. Hein? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a dit? Namine, c'est le nom de la sorcière. Ah, d'accord. Pour mieux expliquer qui est ce personnage, c'est une puissante sorcière retenue captive par cette mystérieuse organisation, qui avait pour but de modifier les souvenirs de Sora et de ses amis pour que leurs ennemis aient leur propre porteur de la Keyblade. Sora ne lui en voulut pas d'avoir agi ainsi et accepta une de ses propositions, qu'elle l'endorme lui, Donald et Dingo, le temps qu'elle reconstitue leurs souvenirs. En contrepartie, ils oublieront leur aventure à l'intérieur du manoir Oblivion. Voilà pourquoi un joueur n'ayant pas fait Chain of Memories ne sera pas vraiment perdu dans Kingdom Hearts 2, redécouvrant le scénario avec le même point de vue que Sora. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, comme Riku lui aussi est rentré dans le manoir. Il ne saura que plus tard que Sora s'y trouve également. Il vaincra ce qui reste de l'organisation dans le manoir,
tout en combattant les ténèbres en lui représentées par Ansem. Naminé lui proposera donc de l'endormir pour l'aider à chasser ses ténèbres. Riku refusera, voulant l'affronter seul. Riku comprit très vite que Naminé n'est autre que le simili de Kairi, mais Buck vous en parlera. Sans oublier que notre valeureux Riku retrouva lors de son aventure dans le manoir le roi Mickey qui l'aida à affronter ses ténèbres. Mais il fera également la rencontre d'un mystérieux personnage du nom de Deez, qui a guidé le jeune garçon vers le manoir Oblivion. Riku et Mickey s'associeront à Deez pour enquêter sur la sombre organisation qu'ils ont combattue. I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn. Mais l'aboutissement de leur enquête, nous la verrons dans la suite tant attendue sortie en 2006, Kingdom Hearts 2. Après les événements de Chain of Memories, on se retrouve dans la peau d'un mystérieux jeune garçon du nom de Roxas. La vie de ce nouveau personnage semble paisible, mais petit à petit, on découvre en même temps que lui qu'il possède une connexion avec Sora, et qu'il est le 13e membre de l'organisation mentionné dans l'opus précédent. Roxas remontera une piste le menant à un manoir abandonné, où il découvrira un Sora endormi. La réunion de ces deux personnages faisait partie d'un enchaînement d'étapes pour aboutir au réveil de Sora. Mais malheureusement pour Roxas, le lien qu'il partage avec Sora, que cela soit les souvenirs qu'il a de lui, ou le fait qu'il puisse manier la Keyblade, signifie qu'il est le simili de Sora. Sa copie sans le moindre cœur, et que leur réunion aboutira à l'effacement de Roxas pour que Sora puisse se réveiller. Enfin, effacement, c'est un peu grossier pour expliquer ce qui arrive à Roxas, mais rassurez-vous, on verra ça en détail plus tard. Tu as de la chance. Pour moi, les vacances s'arrêtent. Ici. Sora se réveille avec tous ses souvenirs, sauf ceux concernant le manoir Oblivion. Retrouvant ses amis Donald et Dingo, par la suite ils montent dans un train magique qui les mène à une tour où ils pourront en apprendre plus sur les nouveaux dangers qui les attendent grâce à l'aide d'un grand magicien du nom de Yen Sid. Ils apprennent qu'ils devront arrêter l'organisation 13 dont le meneur est un homme appelé Xemnas. Il est à noter que l'on peut ressentir une certaine confusion par rapport au premier opus, vu que cette fois-ci, nous sommes embarqués dans une lutte contre cette sombre organisation qui dirige de toutes nouvelles mystérieuses créatures nommées les Simili. Et sans oublier que tous les membres de l'organisation 13 sont tous des Simili dotés de puissants pouvoirs. Eh oui. Ces puissants Simili ont formé un groupe appelé l'organisation 13 qui dirige les Simili subalternes. L'organisation 13. Mais c'est aussi dans cet épisode que l'on a de sacrées révélations, qui embellissent encore plus l'univers de Kingdom Hearts, tout en mettant dans le plus grand désarroi, vu que nous avons les informations de base sur un apprenti d'Ansem appelé Xehanort, qui n'est autre que l'antagoniste principal de cette fabuleuse histoire. Le roi Mickey révèle également que Ansem, le chercheur des ténèbres que nos héros ont affronté dans le premier Kingdom Hearts, était en fait un imposteur, un sans-cœur né de la séparation du cœur et du corps de Xehanort, et que Xemnas est le simili de Xehanort. Ça vous coupe s'il fait ça. Le véritable Ansem, plus connu sous le nom de Ansem le Sage, a agi dans l'ombre pour aider Sora et ses amis contre l'organisation 13, sous le nom de Deez. Bien que cela soit pas dans cet opus que l'on apprend beaucoup plus concernant les liens entre Xehanort et Ansem. En gros, une grande majorité de ce qu'on nous a fait croire dans Kingdom Hearts 1 était faux. Bon, récapitulons. Un homme nommé Ansem qui n'était pas vraiment Ansem est devenu un sans-cœur. Ça voudrait donc dire qu'un simili a été créé en même temps, non? Oui! Et ce simili est le chef de l'organisation. Quoi? Sora et ses amis, aidés par le roi Mickey, traquèrent les membres de l'organisation 13 jusqu'à Illusiopolis, la forteresse de leur propre monde. C'est dans ce même monde que Sora retrouvera ses amis Riku et Kairi. Après avoir vaincu chaque membre de l'organisation, hormis un certain Axel qui s'est sacrifié en aidant Sora, nos héros finissent par affronter et vaincre Xemnas au sommet du château. Mais durant l'affrontement, Sora et Riku ont été séparés du groupe et prisonniers du monde des ténèbres, sans aucun moyen d'en sortir.
C'est seulement grâce à une lettre écrite par Kairi, mais surtout de son contenu lu par Sora, qu'un portail magique apparaît les ramenant sur l'île du destin, où ils retrouvent leurs amis. Oh, on est rentré. Bienvenue. Après une ellipse d'un court temps indéterminé, Kairi présentera à Sora et Riko une autre lettre dont le contenu leur donne un rendez-vous dans un prochain épisode de la saga. Le prochain jeu sorti en 2009 ne sera pas la suite directe de Kingdom Hearts 2, mais en revanche expliquera un peu mieux son lien qu'il a avec Kingdom Hearts 1. En effet, cet épisode démarre aux environs des trois quarts de Kingdom Hearts 1, au moment où Sora se fait changer en son cœur. Il continuera pendant Chain of Memories et se terminera quelques secondes avant Kingdom Hearts 2. Nous nous retrouvons incarnant Roxas, intégrant l'organisation en tant que 13e membre. En effet, Xemnas et son organisation ont besoin du simili de Sora, vu qu'il est le seul à manier la Keyblade, dans le but d'accomplir leur objectif que l'on peut voir dans Kingdom Hearts 2. À savoir créer un Kingdom Hearts artificiel à partir des cœurs récupérés sur les 100 cœurs détruits, dont chaque membre de l'organisation 13 compte utiliser ce Kingdom Hearts afin d'obtenir un cœur pour chacun afin de se sentir complet. L'histoire se concentrera sur trois protagonistes, Roxas, Axel et Xion, une jeune fille mystérieuse. Xion, tu dis ? Bizarre, moi je l'ai toujours appelé Xion. Number 14, Xion. Xion. Got it memorized, Roxas? Bon, prononcez-le comme vous voulez, on va pas chipoter. A l'inverse de ses deux amis, elle n'est pas considérée comme une véritable membre de l'organisation de Xemnas. Ah bon? Et pourquoi, Dina? Dis-nous pourquoi? Je m'explique. Roxas va découvrir au fur et à mesure de son aventure tous les secrets qui planent autour de Xion et quelle est son importance dans l'histoire. L'organisation 13 comptait utiliser cette jeune fille pour remplacer et se débarrasser de Roxas, afin qu'ils aient une véritable copie conforme de Sora. Mais pour arriver à ce résultat, Xion doit posséder tous les souvenirs de Sora, dont une partie demeure chez Roxas. Au moment de l'histoire où Namine reconstituait les souvenirs de Sora après les événements de Chain of Memories, Roxas comprit son rôle quand il découvrit qu'il était le simili de Sora. Mais Namine découvrit un problème. Les souvenirs de Sora étaient également en possession de Xion. Et tant que cette dernière existerait, Sora ne pourra pas se réveiller. Xion, de son côté, découvrit la vérité et accepta son destin de mourir pour faire revenir Sora, en forçant Roxas à la tuer. Goodbye, Roxas. See you again. I'm glad I got to meet you. Oh, and of course, Axel too. You are both my best friends. Never forget. That's the truth. Cet événement tragique rendra furieux Roxas envers l'organisation 13 pour la façon dont ils ont été manipulés. Roxas prit la décision d'aller tuer Xemnas. Riku s'interposa, mais Roxas étant trop fort pour lui, il céda à la part de ténèbres en lui pour capturer Roxas. Riku eut pour conséquence son apparence changée à l'utilisation d'un tel pouvoir. Roxas assommé fut transféré dans un monde virtuel semblable à la cité du crépuscule le temps que Namine reconstruise la mémoire de Sora. Et il se réveillera plus tard sans rien savoir de toute cette aventure. L'année suivante a vu l'arrivée d'un autre opus permettant de comprendre les racines du conflit qui frappera Sora et ses amis. Tetsuya Nomura proposera aux fans Kingdom Hearts Birth by Sleep. L'histoire de ce jeu se déroule 10 ans avant les événements qui se sont produits dans Kingdom Hearts 1 et nous fait découvrir les origines de l'antagoniste principal de la saga, Xehanort, qui se révèle être un maître de la Keyblade. Les héros de cet épisode sont également trois amis, mais également porteurs de Keyblade, Ventus, Aqua et Terra. Leur périple débute dans la contrée de départ et seront à l'origine de la nouvelle génération de héros qui porteront la Keyblade, à savoir Sora, Riku et Kairi. On y découvre en même temps que nos trois protagonistes, au fur et à mesure de leur parcours, les véritables desseins de Xehanort.
il cherche à reconstituer la plus puissante de toutes les armes, la Keyblade, ou Kyblade. La Kyblade fut la toute première Keyblade à être forgée et permet à son détenteur d'accéder au légendaire Kingdom Hearts. Pour arriver à ses fins, Xehanort sera aidé par un être mystérieux et ténébreux du nom de Vanitas et manipulera les trois porteurs de Keyblade, en installant le doute dans leur cœur, risquant de compromettre leur amitié. Se retrouvant dans un endroit désolé appelé la Nécropole des Keyblades, un lieu où il y a eu une ancienne bataille appelée la Guerre des Keyblades, Aqua, Terra et Ventus, aidés par Mickey, leur nouvel ami, décidèrent de faire front commun contre Xehanort, ce dernier sur le point de réaliser ses objectifs pour ainsi semer le chaos. Cependant, ils seront complètement dépassés par les événements durant leur affrontement. Les porteurs de Keyblade réussiront à mettre à mal l'accomplissement des projets de Xehanort, mais le prix à payer pour cette victoire amère fut terrible. La Keyblade fut partiellement reforgée suite à la fusion entre Ventus et Vanitas, vu que ce dernier est la partie obscure rejetée du cœur de Ventus. Mais Aqua et Mickey réussirent à détruire l'arme juste à temps, la faisant fragmenter en 20 fragments, 13 de ténèbres et 7 de lumière. Cependant, sa destruction avait pour conséquence la dissolution complète du cœur de Ventus, faisant tomber ce dernier dans un profond coma. Pour en ce qui concerne Terra, il est devenu le nouveau réceptacle du cœur de Xehanort. Après la bataille, Aqua mit le corps de Ventus à l'abri dans les ruines du château de la contrée de départ. À l'intérieur, elle fit appel à une magie très spéciale pour transformer le château de la contrée de départ en manoir Oblivion. Une fois cela fait, elle rechercha et trouva Terra. Mais ce dernier, possédé par Xehanort, engagea un violent combat contre elle. À l'issue de l'affrontement, Xehanort fut vaincu mais demeura toujours dans le corps de Terra. Cependant, son affrontement lui a fait perdre la mémoire. Et Aqua dut se sacrifier pour sauver son ami. Mais malheureusement, en vain. Dès lors, elle demeure prisonnière du domaine des ténèbres. Xehanort, amnésique, fut retrouvé et pris sous l'aile d'Ansem le Sage. Dans la suite de Birth by Sleep, A Fragmentary Passage, sorti en 2017, nous rejoignons de nouveau Aqua dans son errance dans le domaine des ténèbres, où elle fut retrouvée par Mickey. Les deux amis partirent dans une chasse au trésor pour y trouver une Keyblade très spéciale, la Keyblade du domaine des ténèbres. Grâce à cette Keyblade, Mickey put fermer la porte du domaine des ténèbres à temps, empêchant les sans-cœurs de se déverser dans les royaumes de la lumière. C'est la porte qu'on a vue à la fin de Kingdom Hearts 1, au même moment. Ça fait le lien. Mais malheureusement, Aqua fut de nouveau séparée de Mickey. À l'heure actuelle, elle est toujours prisonnière, affrontant des vagues de ténèbres de plus en plus éprouvantes. Comme vous avez pu le voir, Kingdom Hearts Birth by Sleep est le volet le plus sombre de la saga, vu qu'il se termine par une fin amère avec les trois héros que nous avons suivis qui ont tous eu une fin tragique. En 2011 sortit Kingdom Hearts Recoded, un épisode spécial en version remasterisée de Kingdom Hearts Coded sorti en 2008. Je dois dire que je ne connais pas du tout cet épisode, du coup c'est plus Prince qui va vous en parler. Cet épisode a très clairement divisé le public, vous allez comprendre. Il ne reste qu'un seul petit message dans le journal que Jiminy a écrit dans Kingdom Hearts 1. Nos héros décident donc de le scanner, de le numériser, pour en décoder tout ce qu'ils peuvent trouver. Hein? Quoi? Bah oui, j'avais dit qu'il avait divisé le public. Nous reparcourons les mondes que nous avons explorés dans Kingdom Hearts 1, sauf en ce qui concerne le monde de Tarzan à cause de droits d'auteur, tout comme dans Chain of Memories. Grâce à un Sora virtuel, ils purent découvrir un message de Namine. Celui-ci révèle que la mémoire de certaines personnes étant liée à Sora existe toujours au fond du cœur de notre héros. Il découvre vite qu'il y a un Riku virtuel qui joue le rôle d'antivirus. Vivi, je t'offre un choix. Prends le sans-cœur bleu et là tout s'arrête. Tu peux retourner faire de beaux rêves. Prends le sans-cœur rouge et là t'es paré pour le monde des merveilles. Surpris de me voir, monsieur Anderson? Mickey, Donald et Dingo, sans s'en rendre compte, se feront numériser et rejoindront notre Sora virtuel et notre Avast Riku. Maléfique et Pat réussissent à intégrer ce monde virtuel pour encore mettre des bâtons dans les roues à nos héros. On apprendra aussi que Maléfique manigance quelque chose au sujet d'un livre de prophétie. À ce moment-là, le journal fut entièrement restauré. Cependant, la mémoire de notre Sora virtuel devra être réinitialisée. Virtuel Sora perdit donc la mémoire. Mais quelque chose d'inconnu fut ajouté de force au journal par le passé, le manoir Oblivion. Mickey dut donc retrouver Virtuel Sora et tout lui réexpliquer pour le reconvaincre de recommencer une aventure depuis le début. Ce manoir virtuel ayant à peu près les mêmes pouvoirs que le manoir originel, notre Sora Lyoko
perdra les souvenirs des amis rencontrés tout en continuant à sentir leur manque. Une personne vêtue de noir qui pourrait être Ventus ou Roxas demande à Sora de se laisser oublier pour ne pas souffrir éternellement. À la fin du journal, il trouva une aminée virtuelle qui lui expliqua que lors de Chain of Memories, elle avait trouvé ce qui est impossible normalement, la mémoire d'autres personnes dans la mémoire de Sora, certains contenant des souvenirs dangereux pouvant détruire le cœur de Sora à jamais. La véritable aminée ayant fusionné avec Airi, n'existant plus vraiment, elle avait laissé un double virtuel de sa personne et des indices dans le journal. Le journal s'étant effacé à cause de tous ces événements, la naminée virtuelle dévoila à Mickey et Sora dans une des scènes les plus intéressantes de Kingdom Hearts selon moi, tous les cœurs étant liés, voire coincés en Sora. On découvre alors Roxas, Axel, Naminé, Ventus, Aqua, Terra et même Xion. Et le Sora virtuel ressent leur souffrance et est certain de les connaître. Mickey écrit une lettre au vrai Sora pour lui expliquer l'histoire de tous ses cœurs liés à lui et c'est cette lettre qu'il reçoit à la fin du générique dans Kingdom Hearts 2. Sorti en 2012, l'épisode suivant est la suite directe de Kingdom Hearts 2, après que Sora, Riku et Kairi aient reçu la lettre du roi Mickey, Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Sans aucun doute l'opus le plus compliqué à comprendre, au point que j'ai dû le refaire trois fois. L'histoire de cet épisode raconte que Yen Sid a fait appel à Sora et Riku pour les avertir que la destruction du Sans-Cœur Ansem et du Simili Xemnas signifiait le retour de Xehanort. Pour les préparer à cet affrontement inévitable, Maître Yen Sid fait passer à l'examen de symbole de maîtrise à Sora et Riku, pour ainsi obtenir le titre de Maître de la Keyblade et ils hériteront de nouveaux pouvoirs très puissants, notamment le pouvoir de l'éveil, qui leur permettront de sauver toutes les personnes liées au cœur de Sora. Pour cela, Yen Sid enverra Sora et Riku dans 7 mondes sauvés des ténèbres à la fin du tout premier jeu Kingdom Hearts, mais qui demeure endormi à mi-chemin entre le monde de la lumière et celui des ténèbres. Leur but est qu'ils y trouvent les 7 serrures de ces mondes pour les réintégrer. Cependant, leur examen se passe mal dès le début. À leur arrivée dans le premier monde endormi, nos héros se retrouvent séparés et dû agir individuellement pour réussir l'examen. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est que les actions de Sora et de Riku ne s'influençaient pas, comme si ils étaient dans deux univers différents. Et ils sont également suivis par un mystérieux jeune homme habillé du manteau noir de l'organisation 13, tout en ramenant d'une manière complètement inattendue des personnages connus tels que Ansem et Xemnas, alors que ces derniers sont censés être morts. Mais aussi dans le monde réel, il se passe des choses curieuses, parfois même inquiétantes. Certains membres de l'organisation 13 redeviennent humains, ce qui est tout à fait logique vu que Sora et Riku les ont vaincus dans Kingdom Hearts Chain of Memories et Kingdom Hearts 2, notamment Axel qui reprit son nom humain. Axel didn't. My name is Lee. Got it memorized? Ce dernier prit contact avec le roi Mickey pour qu'il puisse apprendre à manier la Keyblade auprès de ce dernier. Il arrive au château de Disney et déjoue, par un sacré coup de chance, une tentative d'enlèvement sur la reine Minnie orchestrée par Maléfique qui cherchait à obtenir le livre de Jiminy Cricket. Suite à cela, Lee révéla à Mickey et à Yen Sid de terribles informations sur Xehanort. Ce dernier a saboté l'examen du symbole de maîtrise. Yen Sid, conscient du danger, confia la tâche à Merlin l'Enchanteur et aux trois bonnes fées de former Lee au maniement de la Keyblade en urgence. En ce qui concerne l'examen, après avoir déverrouillé toutes les serrures endormies, Sora revient bel et bien dans son monde, mais à sa grande surprise, il atterrit à Illusiopolis, tout en gardant son apparence juvénile qu'il avait dans les mondes endormis. Il y retrouva Zygbar, revenu à la vie, et lui expliqua qu'il a été guidé et manipulé par ses ennemis, qui ont pris le contrôle de son sommeil avant d'entrer dans les mondes endormis. Malheureusement pour Sora, il était trop tard pour s'échapper du piège. Il se retrouve encerclé par des hommes habillés de manteaux de l'organisation 13, qui l'endorment profondément dans plusieurs couches de rêve. Au même moment, le jeune garçon qui l'avait suivi révéla son identité. C'était Xehanort, mais sa version jeune, qui a été chargée par une autre version de lui-même plus âgée, de voyager dans le temps dans sa propre ligne temporelle afin qu'il constitue une nouvelle organisation 13, uniquement composée de plusieurs versions temporelles de Xehanort. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'un d'entre nous doit dire « nom de Zeus » ? Xehanort a choisi Sora comme étant son nouveau réceptacle pour être le 13e membre de son organisation.
Ah ouais, quand même, là, question plan de méchant, on fait pas les choses à moitié, ça part loin. De son côté, Riku atterrit aussi à Illusiopolis, et eut une révélation de la part d'Ansem. Riku et Sora ont été séparés dès le début de l'examen, parce que Riku n'a jamais pénétré dans les mondes endormis. Pour la raison que Riku a pénétré dans les rêves de Sora, faisant de Riku un aval rêve, un esprit gardien protégeant une personne de ses cauchemars. Ce qui explique pas mal de choses en effet. Pour en mieux vous expliquer, à chaque fois que Sora était éveillé, il progressait dans les mondes endormis qu'il visitait. Et Riku progressa dans les rêves de Sora dès que ce dernier s'endormait. Riku réussit à s'expulser des rêves de Sora et retourna dans le monde réel. Une fois arrivé au château de l'organisation pour sauver Sora, il fut rejoint par le roi Mickey. Mais durant leur tentative de sauvetage, le vieux Xehanort apparut et dévoila son plan de recréer la Keyblade. Mais pour ce faire, il devait rassembler 13 fragments de ténèbres. Ce qui a été son plan depuis le début avec l'organisation 13. Rassembler et duper des coquilles vides, à savoir les membres de l'organisation 13 qui sont des Simili, et en faire des réceptacles de Xehanort. Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart and mind. Translation? They were gonna turn all the members into Xehanort. Make more Xehanorts? You tricked your friends to... But you, aren't you scared of just... turning into someone else? Me? I'm already half Xehanort. Is this the part where one of us faints? Oh, I am so on it, dude! Et Xehanort espérait que Mickey rassemble de son côté 7 fragments de la lumière, ce qui se passa bien entendu, mais plutôt par l'intermédiaire de Maléfique qui a rassemblé les 7 princesses de cœur dans Kingdom Hearts 1. Sora fut finalement sauvé par l'intermédiaire de Lee, Donald et Dingo qui fut bénéficiaire pour eux, parce que par manque de temps pour accomplir le rituel, les différentes parties temporelles de Xehanort retournèrent à leur époque d'origine. Mais Xehanort n'était pas vaincu et prévoyait un futur affrontement entre ces fragments de ténèbres contre ceux de la lumière. De retour et en sécurité chez Yen Sid, Sora était plongé dans un profond coma. Il fut sorti de son profond sommeil par Riku, vu que ce dernier avait acquis les possibilités d'un aval rêve. Une fois Sora sauvé de son cauchemar, Riku pénétra au plus profond du cœur de Sora et y retrouva Ansem le Sage. Ce dernier s'était numérisé avec ses recherches dans le cœur de Sora et confia à Riku des données qui permettront aux guerriers de la lumière de sauver les êtres ayant subi des tragédies dans les précédents volets Kingdom Hearts. De retour dans le monde réel, Riku retrouva Sora réveillé et Maître Yen Sid leur fit part de leur évaluation. Riku seulement obtient le titre de Maître de la Keyblade, malgré que les deux amis ont réalisé d'énormes exploits. Riku obtient le titre parce qu'il a réussi à sortir Sora de son profond sommeil et par conséquent a obtenu le pouvoir de l'éveil. Lee ajouta également qu'il prévoit d'obtenir ce titre et dévoila à sa grande surprise et devant tout le monde qu'il s'est matérialisé une Keyblade. Sora retourna dans les mondes des rêves pour y revoir ses amis à Valrave, et pendant son absence, Yen Sid expliqua à Mickey son inquiétude vis-à-vis de Xehanort. Il leur manque un protecteur de la lumière. Maître Yen Sid envoya chercher la dernière personne à sa connaissance qui a su manier la Keyblade. Kairi. Dream Drop Distance est le titre faisant le lien entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3. Et comme vous l'avez vu, on s'est attardé sur cet opus tellement qu'il est complexe. Mais juste pour terminer l'histoire, Riku et Mickey furent envoyés par Maître Yen Sid dans les mondes des ténèbres pour y retrouver Aqua. Sora, quant à lui, revenu des mondes endormis, fut envoyé au Colisée de l'Olympe pour y retrouver des pouvoirs qu'il a perdus à cause de la tentative de Xehanort de faire de Sora son nouveau réceptacle. Et la suite des aventures de Sora, nous la verrons dans Kingdom Hearts 3. All right, Olympus Coliseum, here we come! Et voilà, on en a fini avec l'histoire de Kingdom Hearts. Tu as oublié de parler de Kingdom Hearts Union Key Back Cover. C'est vrai, mais de 1, la vidéo est quand même assez longue. Et de 2, je comptais l'attaquer dans une vidéo à part. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous les fans, ça a dû vous remettre à jour sur pas mal de points, avant que Kingdom Hearts 3 arrive. Et pour les néophytes, je me doute que vous avez encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et certaines sont encore dans des zones de flou. Mais vous en faites pas, on attaquera les détails plus tard. Et dans la prochaine vidéo, ça sera mes 5 heures qui s'occuperont du travail. Oh yeah, ça sera notre heure de gloire. Et je remercie particulièrement Prince de m'avoir assisté dans cette vidéo. Mais de rien, ça a été un vrai plaisir de revivre toutes ces histoires et repenser aux nombreuses heures de jeu.
Alors je dis pour toi et pour vous les abonnés, à la prochaine.